le carcan vénal, fleurissant de tous ses débris, ne saurait être brisé sans larmes et sans cris. Sentiment douloureux, bien qu'aujourd'hui trop banal, le sous-peuple accroupi se refuse à la domination de la bonne morale. La nuit venue, sans apport véritable, rend au ventre vide et à l'esprit nu les visions de richesses insupportables. Les rejets ont les crocs acérés, soif de vengeance et faim de chair. Ils savent que rien ne vaut d'avaler ce que l'on veut posséder. Ce sont donc ceux que l'on respectait naguère qui seront sacrifiés. On reconnut vite cette viande comme une denrée acceptable, et décision fut prise de regrouper dans les étables les héritiers et les grippe-sous, afin de les emmener, la corde au cou, se vider de leur sang dans un procédé bestial.